T'as réussi. Hey, c'est bon de te voir aussi. Ne recommence plus jamais ça. Hey, ça sort d'où, ça? Tu m'en dois une. J'ai failli perdre une semelle à essayer de te rejoindre. Désolé. Désolé. J'ai cru que j'allais devoir gratter tes tripes sur le trottoir et tu me dis que t'es désolé? Lawan, j'arrive pas à y croire. Tu te fais vraiment du souci. La ferme. Je viens de te le dire. Tu m'en dois une. J'ai niqué mes godasses. Je sens carrément les cailloux sous mes pieds. Il m'en faut une nouvelle paire. Tu veux aller trouver des nouvelles baskets, maintenant. C'est quoi, c'est une blague? Est-ce que j'ai l'air de faire des blagues? Lawan, qu'est-ce que... Lawan, s'inquiéter pour quelqu'un, c'est pas un signe de faiblesse? Tu peux au moins me dire où tu vas? J'imagine qu'il n'y a pas des masses de magasins de chaussures dans le coin. Je connais un endroit. Il y reste encore peut-être quelques-unes de mes affaires. Je croyais que tu gardais tout au fichail. Mais c'est pas là qu'on va, hein? S'il te plaît, ferme-la et suis-moi. Tu vois cette ouverture? Appartement 216. Va me chercher une grande boîte rouge avec liseré doré. C'est là que j'ai rangé mes chaussures. Tu viens pas avec moi? C'est ta faute si j'ai pourri les miennes. Va m'en chercher d'autres. Tu entres, tu prends les godasses, tu sors... et tu touches à rien d'autre. C'est pigé? Très bien, poule mouillée. Tiens, j'ai tes chaussures. Et prends ça aussi. J'avais pas pigé que toi et Hakon étiez ensemble. Pourquoi tu crois qu'il est prioritaire sur ma liste? Ouais, je comprends. C'est pas parce qu'on lit de la poésie qu'on mérite pas de mourir. Vous vous êtes séparés parce qu'il avait abandonné Franck ou... est-ce qu'il a abandonné Franck parce que vous vous étiez séparés? C'est pas tes affaires, Aiden. Ça te regarde pas. Quoi qu'il se soit passé, c'était une erreur, ok? J'aurais jamais dû être aussi naïve. Voilà pourquoi je voulais pas que tu fourres ton gros nez partout. Putain, t'aurais pu respecter ça, au moins. Je suis désolé. C'est bon, oublie. Laisse-moi tranquille. Lawan, qu'est-ce qui se passe? Tu lâches jamais le morceau, hein? Tu devrais le savoir. Tu devrais savoir que je déteste pleurnicher. Y a aucune pleurnicherie à dire ce qu'on ressent. Ok. Tu peux rester si tu veux. Mais m'interromps pas. Je suis occupée. À te bourrer la gueule? Mais non, crétin. Je regarde les étoiles. Hé, je vois la grande ours. Eh ben, t'en sais des choses. Sauf que la grande ours est de l'autre côté. Ah, oups. Ça valait le coup d'essayer. Tu connais d'autres constellations? Ouais. Franck me parlait souvent des étoiles avant. On construisait le fichail. J'aimais bien grimper sur l'échafaudage jusqu'au toit. Franck montait me dire qu'il faisait trop froid, qu'il était trop tard. Mais il finissait toujours par me raconter des histoires pendant des heures. J'adorais l'écouter. Les étoiles brillent tellement, elles sont si proches, qu'on a l'impression de pouvoir les choper par les boules. C'est ce que disait Franck. Joli, hein? Et toi, Aiden? Quoi, moi?
Ça arrive aussi que les pèlerins aient le cœur brisé. Je... Eh ben... Laisse tomber. Intimide. Alors ta constellation, c'est celle du cygne. De quoi? Là, regarde. Le cygne. Quand je regarde les étoiles, c'est toujours lui que je vois en premier. T'es en train d'inventer tout ça pour m'impressionner. Peut-être. Peut-être pas. T'es impressionné? Assez, ouais. Et ce poème? Ce sont juste des mots, Aiden. Des mots qui ont un sens. Du temps, l'amour n'est pas le jouet. Même si s'incurve sous sa faux la lèvre et la joue rose, aux fugaces instants, l'amour résiste. Juste des mots, hein? Ouais. Juste des mots. Alors, t'as rencontré Hakon quand tu construisais le fisheye, avec Frank? Lui et Frank passaient beaucoup de temps ensemble. Ils étaient amis. C'était une histoire assez banale, en fait. J'étais jeune, j'avais besoin d'attention. Et lui avait besoin de s'amuser. Au moins, j'aurais appris une leçon que j'oublierai jamais. Ça te tient toujours à cœur. Tu m'aurais pas demandé d'aller à la partie, non? Bah ouais, Aiden. La personne que je suis maintenant me tient à cœur. Voilà pourquoi je voulais pas y aller. Pour que la petite naïve qui vivait là-haut ne reprenne pas le dessus sur moi. Je l'ai détestée. Mais maintenant, c'est derrière moi. Il faut qu'on dorme. Aiden? Si je vois Hakon, je le tue. C'est aussi simple que ça. N'essaie pas de m'arrêter. Ok. Mais tu sais bien que la vengeance ne règle rien. C'est pas pour moi. Mais pour Frank. Je vengerai tous ceux qui sont morts cette nuit-là. Beaucoup d'étoiles se sont éteintes pour toujours. Hakon se la joue. Mais quand il a fallu agir, il a abandonné ses potes et ils sont tous morts. Il a montré son vrai visage. Putain de lâche. Hakon, un lâche? C'est dur à croire. T'as peut-être raison. C'est peut-être juste un traître. Il a aussi convaincu les autres de ne pas quitter la station télé. Ils ont abandonné Frank et son équipe. Ensuite, il a coupé les ponts avec moi, comme si on se connaissait pas. Et il a rejoint Waltz, l'enfoiré. Ouais. Bonne nuit, Aiden. Je prends cette clé, Aiden. Arrête, Hakon. T'es pas en état de te battre. C'est ce qu'on va vite savoir. Hakon, parle-moi. Ça n'a aucun sens. Les traceurs nocturnes, ça voulait rien dire pour toi? T'as pas envie d'arranger les choses? Y a plus rien à arranger. Les traceurs nocturnes, c'est terminé. Peu importe ce que Frank dit, il ressuscitera pas les morts. Bien que ce soit un beau rêve. Qu'est-ce qui s'est passé avec les traceurs? Frank m'a dit que t'as arrêté après la station télé. Depuis ce jour, je me demande... Si j'avais été là, est-ce que ce serait différent? Est-ce que mes amis seraient toujours en vie? Je sais que je peux ramener personne. Mais j'ai fait un vœu. Je ferai mes preuves auprès de Frank. Et de Lawan. J'ai plus envie de me battre avec toi, Hakon. Moi non plus, gamin. Moi non plus. Je veux dire, je suis tellement fatigué. Putain, tellement fatigué. Merci de l'avoir adouci pour moi. Ah, c'est mon rayon de soleil. Avec une arbalète mortelle. Ferme ta gueule.
C'est une bonne chose que tu m'aies pas achevé, ou alors elle aurait été sacrément énervée. Lawan ? Mais comment t'avais... J'ai mes propres relations. Essaie de m'arrêter, et on sera plus amis, Aiden. Tuer Akon ne t'aidera pas, Lawan. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Je suis au courant pour les traceurs. Frank m'a raconté. Il a parlé d'équilibre et de lâcher prise. C'est lui qui dit ça ? Mais c'est le cas. Et toi, tu pourrais aussi. Je me trompe. Lawan, il a dit qu'il voulait te protéger. Qu'est-ce qu'il raconte, ce trou du cul ? Il a dit qu'il avait rejoint Walls pour pouvoir l'espionner. Aiden, la ferme ! Mais il a dû arrêter, parce que Walls t'aurait fait du mal. Conneries ! Je sais. Arrête tes conneries ! Lawan ! C'est des putains de conneries ! Fous-moi le camp d'ici ! T'es sûr ? Dégage, avant que je change d'avis, trou du cul ! Je suis désolé. Comment tu te sens ? Je sais pas. Je me sens soulagée. Un peu de paix. Enfin, mais bon. Mais j'aurais dû le tuer. Il était sur ma liste. Il est toujours sur ma liste. Alors balance ta liste. Cette liste est mon unique but. Elle m'a aidé à tenir. Allez, jette-la, Lawan. Tu crois que tu me connais ? Va te faire foutre. Lawan, attends. Alors, félicitations. Désolée de t'avoir évité. Tu sais ce qu'on dit ? Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. Ouais. C'est un dicton de pèlerin. Aucun de nous n'a plus besoin de s'inquiéter. T'es officiellement un traceur nocturne. Qu'est-ce que ça fait ? C'est tellement étrange. Pendant si longtemps, il n'y avait que Frank. Et les traceurs nocturnes n'étaient qu'une de ces histoires de fantômes. Maintenant, on est comme une putain d'insta-famille. Même à Con, bordel de merde. Tu peux le croire, ça ? Ça doit être bizarre que Con soit de retour. Je te le fais pas dire. J'ai passé tellement de temps à vouloir le tuer. Mais... tu sais... peut-être que je l'ai jamais fait parce que je l'ai jamais vraiment voulu. Peut-être que tout ce que j'ai toujours voulu, c'était arrêter de souffrir. Et... tu souffres toujours ? Pas vraiment. Des démangeaisons, peut-être. Comme quand une infection guérit. Mais je n'ai pas mal pour la première fois. Depuis je sais pas combien de temps. Lawan, j'étais inquiet. C'est parti. Quand t'es parti... Après chez toi. Chez moi et chez Akon. Ouais, je peux le dire maintenant. Si je peux dire ça, ça prouve que tu n'as pas à t'en faire pour moi. T'as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. T'as entendu, Frank ? C'est un nouveau jour. Un nouveau traceur nocturne. Un nouveau moi. Je sais pas. J'aime l'ancienne toi. Traceur nocturne ou pas. Des mots si doux, Aiden. T'es déjà aussi ivre que ça ? Justement, je ferais peut-être mieux d'arrêter. Écoute, je suis désolé de t'avoir laissé tomber. J'étais juste... C'est pas grave, ça me concernait pas vraiment. Mais j'ai fait en sorte que ça le soit. Quand je t'ai pris là-bas, peut-être que j'ai fait ça exprès. Pourquoi exprès ? T'as fait de moi, de Frank, de tout ça, ton affaire. Et regarde tout ce que nous avons gagné. Peut-être que je voulais que tu le saches. Mais j'étais trop lâche pour te le dire.
Et donc, on est allé chercher des chaussures. Exactement. Ces putains de chaussures. Elles te vont super bien. Ok. Et il faut que j'y aille. Pour chercher ta sœur, c'est ça? Parfois, c'est comme si... je l'enviais. L'enviais? Pourquoi? Parce que... elle a tellement d'importance... pour quelqu'un. Désolée, merde, je raconte n'importe quoi. Non, non. Tu... juste tais-toi. Merci. Franck a quelque chose pour toi, Eden. Lawan. Il t'attend en bas. J'arrive, Akon. Et merde. Aiden, va faire tes trucs. Et bonne chance. Là, maintenant, j'ai des choses à gérer. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Pas vrai, gamin? Franck a trouvé ce docteur que tu cherchais. Veronica Ryan. Il semblerait qu'elle ait travaillé pour le GRE. Moi qui pensais tout savoir sur les femmes de cette ville, tu pourras sans doute la trouver dans les environs de l'église. Aiden! Aiden, t'es où? Aiden! Aiden? Aiden! Hé! Hey, juste là, j'ai un signal! Vite! Sous les gravats! Il est là! Aiden, reste avec moi. Walt, c'est la clé, Lawan. La vache, tu pèses lourd, Aiden. On y est presque. Accroche-toi. Tiens bon. Te revoilà. Ah, merci. Faut vraiment que t'arrêtes de faire ça. Je me suis inquiétée. Et ça m'arrive jamais d'habitude. T'approches pas de moi, Lawan. Wow. C'est pas comme si j'attendais des fleurs. Mais je t'ai sorti d'un tas de gravats et je t'ai porté jusqu'ici sur mon dos. Alors, un petit merci serait bien. Tu comprends pas, Lawan. Je... tu quoi? J'ai tué Véronica. Quoi? Je l'ai tuée. Et c'est pas tout. Je me transforme. J'ai vu le corps de Véronica. On aurait dit qu'un rapace l'avait déchiqueté. T'as pas pu... c'était moi. Les expériences de Waltz. À l'hôpital. Il y avait rien sur Mia dans la base de données du GRE. Mais la drogue que Waltz nous donnait, elle a bien fonctionné sur moi. Waltz m'a dit que Mia était morte. Il faut que je parte. Je suis une menace si je reste ici. Pour vous tous. Et s'il t'avait menti? Mia est peut-être vivante. Et même si c'est pas le cas, t'as pas tué Véronica, Aiden. C'était pas toi. Je répète, ce n'était pas toi. Si Waltz est responsable de cette transformation, on va l'obliger à y remédier. Compris? Je vais t'aider. Comment? Waltz a créé des inhibiteurs. Il doit savoir comment contrer leurs effets. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est sûrement encore un bâtiment qui s'effondre. Oh mon Dieu. Le boucher. Il a fini ce qu'il avait commencé il y a 11 ans. C'est Waltz. Il s'est servi de la clé, c'est là que tout a commencé. De quoi est-ce que tu parles? Dylan ne voulait pas que Waltz ait la clé du GRE. Il savait que la ville serait menacée. Waltz a pris la clé à Véronica. Et il s'est enfui. On dirait qu'il veut s'en servir pour autre chose. Tu vois maintenant? Tu dois absolument les arrêter. Lui et Williams. Peu importe ce qui se passe. Lawan, je contrôle pas la transformation. À tout moment, je pourrais... Si tu sens qu'il se passe un truc... tu te mets sous une lampe UV. Je les arrêterai pas toutes seules, Aiden. D'accord. D'accord, on y va. Voilà, ça c'est le Aiden que je connais.
Frank conduit Juan et Matt à la forteresse. Il veut rencontrer le boucher. Quoi? J'ai réagi pareil. Il dit que Williams l'a contacté après le bombardement et qu'il veut lui parler. Est-ce que Frank a perdu la boule? Voilà pourquoi je vais couvrir leurs petites fesses. Va au fichail. Tu pourras peut-être dissuader Frank de faire une connerie. Si ça marche pas, je serai pas loin. Aiden, personne ne doit savoir. Pour Veronica. N'oublie pas, je sais que c'est pas toi qui as fait ça. Mais Jack, les pacificateurs, eux, ils s'en foutront. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils pourront pas. Le X-13, enfin. À ce que je vois, tu t'attires toujours des ennuis. Lawan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, j'ai rencontré quelques mordeurs en chemin. Rien de bien grave. Ça a rien de bon. Et toi? T'es en danger avec moi, Lawan. Tu le sais. Mais tu comprends rien. Ces bâtards ont détruit tout ce que j'ai et tout ce que j'aime. Tous ceux qui sont morts dans l'attaque. Frank est mort. Je veux pas te perdre toi aussi. T'inquiète pas, tout ira bien. C'est ce que tout le monde dit. Regarde-moi, Lawan. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, Lawan. Je te jure que je reviendrai. Oui, bien sûr. Parce que je viens. Lawan. Frank arrêtait pas de dire que j'avais les tops d'un traceur. Voyons s'il a raison. Les dames d'abord. C'est pire en pire, n'est-ce pas? T'es tout pâle. Ça va aller. T'inquiète, on le trouvera juste avant que ça empire. On doit y arriver. C'est d'accord? Ouais. Ouais, finissons-en. Tu vas bien? Moi, ouais. Eux, pas tant que ça. Montre-moi. Laisse tomber. On a de plus gros problèmes. Regarde. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ils collectaient de la bouffe ici, du carburant et de l'eau. Mec, regarde ça! Ils ont amassé des provisions ici. Waouh! Ça alors? Le GRE a construit cet endroit pour que des personnes survivent à l'épidémie. Comme l'arche. L'arche? L'arche de Noé, dans la Bible. Seulement là, le but était de sauver des couples d'animaux. Et ici, sûrement. Des enculeurs de chèvres. Ça a pas l'air d'être fait pour les gens normaux. Non, c'est des connards d'égoïstes. Et on dirait que personne n'est arrivé jusqu'ici. Le virus a été plus rapide qu'eux. Justice a été faite. Walt s'est passé par ici, c'est sûr. Il savait qu'il y avait tout ce qu'il lui fallait pour survivre. Il faut qu'on le trouve. Tu piges ? J'y vais en premier. Cache-toi! Oh, Lawan.
J'ai vu les plans, Aiden. La salle de contrôle est dans cette direction. Walls doit chercher quelque chose là-bas. Trouve-le, Aiden. Je vais essayer de trouver des bandages. Je te laisserai pas ici. Arrête de jouer à la maman poule et vas-y. Lawan ! Non, putain ! C'est trop tard. Je vais les tuer. Je vais mettre ces salauds en pièces. Qu'est-ce qui t'en fait, mon poussin ? Je vais bien. C'est rien comparé à la gueule de bois après la vodka au sorbier de Frank. Je crois encore qu'il cachait pas la bouteille pour me donner une bonne leçon. Je m'en souviens. Aiden, trouve Waltz et prends-lui cette putain de clé. Ou on va tous crever. Je vais avec lui. Sors-la d'ici. Tu me rattraperas plus tard. Oui, chef. Centrale électrique solaire, c'est trop loin. Aiden, non. Oh non, 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 non. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire. Tu penses ? Les missiles. On peut les faire exploser avant leur lancement. Avec les explosifs qu'on a trouvés. Ok. Ok, ça pourrait sans doute marcher, je vais les chercher. Attends, Lawan, je veux... Arrête là, Aiden. Elle va tout détruire. Tout ce que tu aimes. Je suis prête à déclencher les explosifs. Cours ! Est-ce que cette ville vaut vraiment que tu perdes tout ? Lawan, j'ai promis à Frank que je te laisserai pas avoir le... Frank répétait sans cesse que j'allais sauver la ville. Je suppose que c'est mon heure. Prends un inhibiteur, Aiden. Tu peux encore l'arrêter. Sauve ce laboratoire. Sauve Mia. Tant que tu es encore humain. Maintenant, il ne lui reste que toi. Aiden, s'il te plaît, va-t'en. C'est le seul moyen de sauver la ville. Je te laisserai pas mourir comme ça, Lawan. Même si la ville doit en payer le prix. Mais c'est tout ce que j'ai, Aiden, tu comprends pas ? On peut pas mourir tous les deux. Allez, sors d'ici ! Je peux pas. Je suis désolé. Je t'ai laissé tomber. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Aiden ! T'as réussi ! Dépêche-toi, le compteur tourne. Sors la One d'ici. Ah, con. Je vais sortir ta sœur de là. Vas-y, gamin. La One, je viens te chercher. Je vais le faire! Pour la dernière fois, Aiden, casse-toi de là! Je te laisserai pas mourir ici! Aiden! Oh non! Oh mon Dieu! Yeah.
Yeah.